Mes amis, c'est parfait. Comme j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous explique comment lire un message qui a été supprimé par un de vos destinataires sur WhatsApp. Tout de suite, c'est parti. Comme c'est ta première fois, avant de t'expliquer comment lire un message qui a été supprimé par un de vos destinataires sur WhatsApp, voilà. Va t'abonner sur la page YouTube, un gros pouce bleu ici. Faites partager la vidéo WhatsApp, Facebook Messenger. Là, vous allez directement dans WhatsApp, cette superbe application qui se trouve dans Google Play, Play Store gratuitement. Faites entrer Play Store. Télécharger cette application notification historique. Faites télécharger, vous faites installer, accepter, vous patientez l'installation. Voilà, vous faites ouvrir. Faites suivant, vous activez le point de notification. Avancez, avancez. Prenez ça l'application. Voilà, c'est ça l'application. Prenez un second téléphone sous Android. Voilà, un second téléphone. Et par exemple, bonjour, monsieur, comment allez-vous? Point d'interrogation. Je vais envoyer. Voyez. Comme ça, marqué deux barres. Là, vous faites supprimer pour tous. C'est ça, supprimer pour tous. Oui, le message a été supprimé. Voyez comment ça se présente chez vous. Oui, le message a été supprimer. Vous faites le tout. Vous venez ici. Notification history. Faites ça. Vous voyez la date est là et là. Ce message a été supprimer. Faites ouvrir. Ça, c'est une publicité. Observez attentivement. Voyez, ce message a été supprimé. Alors, regardez plus bas, à la même date. Et là est exact. Bonjour. Monsieur, comment allez-vous? Voyez, observez attentivement, c'est ça. Dans tous les cas, je vous dis un grand merci d'avoir suivi cette vidéo. Votre satisfaction, notre plaisir.